Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Game Deck. Alors on était dans Cyber Chevalerie, on doit gagner la confiance du clan. On est au sein de leur bastion et on est en train de faire du craft, basiquement. Je crois qu'on a chopé des nouveaux trucs, il me semble. Ouais, Lord est assisté dans sa prise de décision. Le Lord ne dirige pas le clan seul, parfois quelqu'un lui indique quoi faire. Apparemment c'est le maître du rire, ouais. Ou le la démiurge de l'arme du serveur ou une personne cachée. Qui contrôle l'arme du serveur? Parce que putain, retrouver encore ce bouffon, en admettant que ce soit le même, parce que là il s'appelle le maître du rire, mais je pense que c'est juste un nouveau nom pour la même personne en fait. C'était pas Aigle là-bas? C'est Aigle. Les feuilles d'automne s'envolent des arbres. S'envolent. Le pousser. Je vais me placer derrière et le pousser dans le vide. Il était trop concentré sur sa feuille pour réagir. Ah. Oh putain. Putain. C'était Aigle 1. Apparemment ça nous a coûté 2 cloches. Ok, là on a du bois. D'ailleurs je me demande si à chaque cloche les ressources elles reviennent pas, elles sont pas mises à jour. Non, tu fais pas ça. Par contre voilà, sous la pierre du coup. Non. Trouver la pierre et récupérer la récompense. Ce serait pas celle-là? Ça doit pas être celle-là, c'est une autre... Oh, attends. Bon, ça c'est du fer. Il y a une pierre étrange, ça semblerait être ça quoi. Et on va voir, qu'est-ce qu'on a de ce côté-là? Il y a un golem. Qu'est-ce qu'il y a tout au loin ici? Ah, c'est le fameux groupe de méditation à côté de la cloche. Maître Foreur de Roche, je devais lui parler, non? Ouais, je peux parler à Maître Foreur de Roche. Mais attends, je peux aller... Ah, c'est ça la cloche. D'accord. Je peux cliquer dessus. Oh, cracker, réinitié. Mais il y a tellement de choses qu'on peut faire quand on sera cracker. Sauf que je suis pas cracker, j'ai pas les points. Il me manque 2 points de détermination. Dis pas de bêtises, c'est ça, ouais. Et on va voir, Maître Foreur de Roche. Bienvenue au clan On. Le clan recueille toutes sortes d'informations ainsi que les signaux de l'arbre. Que recherches-tu? Vous renseignez à son sujet. Mini des passerelles, une cloche, le scanner, il faut savoir qui est vraiment. Donc, vous renseignez sur... Peux-tu me dire quel est ton rôle dans le clan? Je m'occupe des signaux de l'arbre du savoir. Les profanes appellent cela des signes. C'est l'un des devoirs principaux du clan On. Je les rassemble et j'essaie d'en apprendre autant que possible. C'est le seul but qui ait un sens dans ma vie. Selon les règles, seul Lord le clairvoyant peut lire les signes. Mais quelqu'un doit s'assurer que les recrues ne les interprètent pas mal. C'est pour ça que je dirige ce groupe dédié à la connaissance des signes. Je les aide à s'y retrouver parmi les signaux de l'arbre. D'accord, vous renseignez à propos du groupe consacré à la diffusion de connaissances. Tu as évoqué un groupe dont le but est de répandre les connaissances. Dans le canal du clan, j'ai vu que tu avais une quête de Crésus. Finis-la tout d'abord, puis reviens me voir, on parlera de ce groupe. J'ai une tâche à te confier, tu te rendrais utile au clan. J'avais une tâche de Crésus, mais je sais plus laquelle c'était. Bonjour, nous sommes les interprètes des signaux de l'arbre du savoir. Les nouvelles recrues sont les bienvenues parmi nous. Les signaux de l'arbre nous apportent la clairvoyance. Ils sont une source de joie pour chaque membre du clan. Maître Foreur de Roche dirige nos réunions. Sans lui, les conclusions sont parfois trop hâtives, surtout venant de nouvelles recrues. Morne Scarabée, même s'il me semble que nous avons récemment gagné sa confiance, va le voir et il acceptera certainement ta candidature. D'accord. Alors attends, ok, c'est là. Signe de bonheur et d'affranchissement. Les signes répandent la joie et indiquent aux gens le moyen de s'affranchir et de développer sa conscience de soi. D'accord. Ok, donc ça ne nous aide pas à trouver le caillou qu'on cherchait. Maître Cocon Éternel. Écarte-toi, je ne tiens pas à te blesser. C'est un sacré travail de réparer un golem et ça demande une concentration totale. Je n'ai pas le temps de m'occuper des novices, désolé. Parler du golem. C'est quoi ce géant? Un goriot qui a attaqué le bastion. Mais notre maîtresse bruteuse l'a vaincu, comme d'habitude. Heureusement qu'elle ne l'a pas détruit. Bref, ce goriot pourrait nous servir. Imagine un clan avec un golem de défense. Moi qui joue bouclier, ça me déchargerait pas mal. Je pourrais enfin monter en grade et dépasser ce boulet de Crésus. J'ai fait toutes les réparations possibles, mais il ne s'active toujours pas. Faut que je m'y penche, mais j'ai trop de trucs à faire. Je n'y connais rien, mais je me dis que cette épée plantée dans son cou ne doit pas aider. Tu ne peux pas l'enlever? Tu ne veux pas l'enlever? Non, ça ne fonctionnera pas. Les goriots sont des créatures magiques. J'ai neutralisé les effets de l'épée, et le bas de son corps n'a rien. Bon, là, on le voit pas, le bas de son corps. On proposait notre aide. Comment puis-je servir le clan Ron? Tu tombes à pic, j'ai besoin d'un coup de main. Mais termine d'abord ce que Crésus t'a demandé. D'accord, il faut que je retrouve ce Crésus. Voyons voir le golem. Golem de pierre mesurait plusieurs mètres de haut, son corps était figé alors qu'il grimpait au bastion. Je fixais son visage alors que le soleil m'aveuglait, je me laissais aller. Je vis les couleurs se ternir, j'entrais dans un état méditatif. Excusez-moi.
Je vis à nouveau Ken. Il était au bastion et n'avait pas l'air sûr de lui. Il fouillait tous les endroits qui lui étaient interdits d'accès. Bon d'accord, t'es peut-être pas de mèche avec l'ordre. Tu veux que je t'appelle 314, c'est ça? Putain, 314, les filles nous en avaient parlé à vice-versa, je crois. Ou alors, non, c'est, non c'était à... C'était à Harvest Time. Le clan Hon t'a fait prisonnier? Tu ne pourrais pas me répondre avec autre chose que des signes, je n'y comprends rien. J'essaie de déchiffrer tes indices, mais ce n'est pas facile. À qui tentes-tu d'échapper? D'accord. Ok. hop. C'est quoi ça? Non, c'est juste du bois. Alors, on va essayer à nouveau la pierre étrange. Prendre la pierre. Je me demande ce que je vais pouvoir trouver cette fois-ci. Je vais découvrir un Gomen. Cool. Parfait. Donc, ça nous fait un Gomen encore de plus. Ça nous en fait 4. Retournons voir... Ouh, c'est quoi ça du coup? Le prix de masse informe, le matériau ne semblait pas supporter de manipuler aussi longtemps. D'accord. Ok. Alors, c'était quoi déjà? Double de l'énorme de clé. Mettez du fer dans la meuleuse pendant 3 à 5 cloches. Donc du fer dans la meuleuse. Alors la meuleuse c'est complètement de l'autre côté. Ok. Il faut faire pivoter du coup. Ah putain mais à chaque fois c'est dans le... C'est pas dans le bon sens. C'est pénible ce truc. Un coup ça va dans un sens, un coup ça va dans l'autre en fait. On va en mettre deux tiens. On va patienter 3. Voilà. L'imposante clé que j'avais fabriquée devait pouvoir ouvrir les verrous les plus solides. Parfait. Je devrais l'utiliser au besoin. Oui, c'est le but. Est-ce qu'on peut l'utiliser pour entrer dans les appartements d'Ombra? Remarque avec les gens qui sont en côté, c'est peut-être pas génial. Don de la nature, PNJ endommagé. Vogue vers la vérité! Merde, la clairvoyance, c'était la clairvoyance. Elle regarda aux alentours un peu trop déboussolée pour un PNJ. Tiens, rien, que puis-je faire pour toi? Quoi? Je suis un PNJ, ce n'est pas de ma faute si je fonctionne mal, c'est celle des admins. Trois cloches scannées, je pourrais pas, non. Vu rappeler que vous connaissez. Ça fait plaisir de te voir. Tu as réussi à préparer la potion. De quelle potion elle parle? Ah ouais, mes potions de Ginkgo Biloba redonnent la magie de la vie. Le clan serait bien embêté sans moi. Elle était à côté de la plaque. Je n'avais pas le même don de la nature que celle que j'avais rencontrée à l'entrée. Ah d'accord, c'était une de celles qui était à l'entrée en fait. On essaiera avec trois cloches au prochain son de cloche du coup. Bon voilà, il nous en reste plus qu'un. Bah tu sais quoi, on va... Ah bah c'est du cristal. Collecter et collecter, encore et encore. Les bruits qui m'entoururent disparurent. Oui, elle arrivait. Une vision. Ken parlait à nouveau à quelqu'un qui l'appelait 314. Pourquoi moi? Il y a une foule de personnes qui sont prêtes à suivre tes signes. Pourquoi tu m'en montres davantage? T'essaies vraiment de me faire avaler qu'on m'a choisi? Ou alors c'est parce que l'arme nous a tous les deux gâché la vie? Tu as besoin d'aide, mais je ne sais pas comment te trouver. Dis-moi comment. 314, comment dois-je faire pour entrer dans l'arme? D'accord. Ainsi le cycle est terminé et dans blablabla. Tributasse. On a le Gomun. Bonjour tributaire. On a le Gomun. Allez, on doit retourner les voir encore. Je me prosternais aussitôt que j'entrais. Si nous devons t'accorder notre confiance et te révéler nos secrets, alors tu dois également nous faire confiance. Prouve-le-nous. Dis-moi quelque chose de privé que tu ne veux pas dévoiler à propos de toi ou de tes proches. Le secret de Fredo Haggins. Les codes d'accès d'extase. Le secret de Fredo Haggins ou le code d'accès d'extase. C'est qui Fredo Haggins déjà? Extase c'est notre IA. Ah. C'est le... Oui. C'était le... C'était notre première enquête. Ouais. Fredo Haggins, le fils d'un cadre de Blu-ray Interactive, a piraté vice-versa et a profité des ressources du jeu, il est mineur. Des secrets sur les élites de ce monde. Parfait. Tu nous as donné là une preuve de grande confiance et de dévotion. L'homme sourit et hocha la tête d'un air approbateur. Il est temps de te concentrer sur ta croissance spirituelle. La prochaine fois, nous discuterons des signes de l'art. Réfléchis-y bien. Ok.
Mais attendez, parce qu'après j'avais les signes de Crésus là. Non, c'était pas là. C'était cyberchevalerie. Donc ça c'est acclimatie, un signe de recrue, l'atelier, fer et acier. Ouais mais attends, les signes, le signe de Crésus c'était où déjà? La vengeance de la mort qui tue 2. Buter aigle, vous trouvez un augment sur un rocher. On peut le refaire du coup. Demandez ce que vous pouvez faire pour le clan. Comment je puis aider maîtresse? Ouais, qu'il tombait justement une tâche à te donner. L'ordre est bienveillant et naïf. Il croit que nos nouvelles recrues au-dessus de tout soupçon. Moi je pense qu'il faut éliminer les espions. J'ai intercepté une correspondance avec le clan Xi. Il faut que tu découvres qui rôdait dans le coin où nous avons trouvé les messages. Interroge tous les témoins et découvre toutes les conversations pour savoir ce qu'ils complotent. Les messages se trouvent à l'entrée de la chambre forte sous la main droite du golem. Demandez ce qu'il faut faire. Tu peux me rappeler ce que je dois faire. Va faire un tour dans la chambre forte près de la main droite du golem et découvre les conversations aux alentours. Ok. Très bien. Parce qu'on a encore 3 gommunes, donc on est tranquille de ce côté-là. Est-ce que je peux essayer d'entrer du coup? Ouvrez la porte et entrer dans la pièce en un clin d'œil. Ok. Alors on a le tapis en bambou. Aïe! Le tapis en bambou cria lorsque je posais mon pied dessus. Inspecter. J'examine attentivement si c'est un erreur particulier, il ne parlait pas. Programmeuse, une cloche analysée. J'examine le code du tapis en bambou, un joueur l'utilisait comme skin. Et pas qu'un seul. D'après l'historique, Kenzo y avait déjà été piégé comme d'autres avant lui, Echo Téméraire, Mousse Muette. Je me souvenais de ses noms. Ok. Donc elle fout des PNJ. Bah, c'est un peu comme l'arbre qu'il y avait dehors en fait. Oh, la liste des prisonniers. Umra gardait une trace des personnes qu'elle avait éduquées et pourquoi. Est-elle perfectionniste ou était-ce pour s'en souvenir? Le livre était protégé par un cadenas complexe. Je devais pouvoir l'ouvrir à l'aide d'un crochet, mais je ne savais pas lequel. On va faire tricheur. Je trouvais facilement la clé adéquate dans le menu des enchères du jeu. Elle ne m'avait presque rien coûté. J'ouvris le livre. Oula, alors, oui. Chercher les infractions de Ken. Lire au sujet de Crésus. Les informations. Ok, on va essayer Ken déjà, parce qu'on est là pour ça quand même. Je parcourus le livre pour comprendre ce que Ken avait fait pour s'attirer foudre du clan Hon. Ses infractions ne lui avaient pas été reprochées, car Lod pensait que Ken avait un lien avec l'arbre du savoir. Il avait reçu une pénalité pour s'être introduit dans la maison de Lord, mais un des maîtres du clan l'avait protégé. Intéressant, effectivement. Lire au sujet de Crésus. Umra avait appris qu'il s'était éclipsé de certains raids de clan et en avait même évité d'autres pour se rendre dans Plage Paradisiaque. Elle avait estimé qu'il avait trahi le clan et l'avait emprisonné dans un pot de fleurs. Il avait refusé de s'expliquer à ce sujet. Umbra avait noté qu'il devait être surveillé pour voir si elle allait se débarrasser de cette habitude. Chercher des infractions de papillon mourant. Avait fait pour vouloir se repentir. Il avait entendu un signe de larmes, une chanson triste et compatissante adressée à ceux qui ne savaient pas à quel point ils sont asservis. Sur la chanson, le cycle de la vie quotidienne les réduisait à la captivité sans qu'ils ne s'en rendent compte. La chanson avait touché Papillon Bruyant qui décida d'agir aussitôt lorsqu'une personne ne l'écoutait pas et tentait de la sortir de ce cycle. Il avait pris le contrôle des autocars et quelqu'un est mort d'une crise de panique. Umbra lui avait reproché d'avoir agi sans consulter l'ordre. Ok. On a encore la marge, on va essayer ça du coup. Je parcourus le livre de manière aléatoire pour voir si quelque chose allait attirer mon attention. Bim. Il y avait différentes infractions. La plupart étaient dérisoires comme un manque de travail ou une contribution financière trop faible. Une personne avait essayé d'entrer dans l'arbre, d'autres étaient allés dans les lieux interdits. Rien de spécial, je me souvenais de leur nom. Ok. Alors, qui contrôle l'arbre du savoir? Lord censure les signaux. Il cache les informations à propos de certains signaux, il les récupère et s'assure que personne n'en parle. D'accord. Ok. Il nous reste encore quelques trucs. Ah oui. Le livre de la confiance. Le livre contenait des preuves de confiance, à savoir des secrets compromettants que partageaient les membres du clan. Alors, chercher des notes à propos de Ken. Le maître qui espionnait Ken avait pris des notes. Un enregistrement montrait Ken en train de voler le compte d'un membre du clan afin d'accéder au bastion. Ok, lire la transcription au sujet de Foreur de Roche. Je trouvais une transcription dans laquelle le Foreur de Roche parlait de son mari, le capitaine Basilide, un patrouilleur hors la loi. Un subalterne était décédé lorsqu'ils étaient allés au-delà des limites autorisées de la ville. Le clan pouvait faire chanter les patrouilleurs. D'accord. Bon, je peux pas refaire l'option d'effacer, a priori. Bon, attends.
Vu qu'il ne reste pas beaucoup de cloches, j'ai pas envie de me faire gauler en étant à l'intérieur de chez elle, parce que je pense que j'ai pas trop le droit à la base. qu'on pouvait faire d'autre ici? On n'avait rien de plus. Ah, il nous reste un indice dans la maison de Mbra. Apparemment. Que j'ai pas eu. Attends, il fallait on pouvait retuer Aigle, si j'ai pas de bêtises. Il est revenu, il a dû faire respawn son perso. Non? Il est pas revenu apparemment. On peut sortir ici du coup? On peut sortir ici. Et qui... Ah bah voilà Aigle. Quelqu'un m'a fait tomber. T'es vraiment qu'un gros boulet, a dit Tanto. Je te jure, on m'a fait tomber. Lui proposer... Vous renseigner sur sa chute. Quelqu'un t'a poussé? Je crois, mais je ne sais pas qui. Ni pourquoi. J'étais en train de composer un haïku, mais je n'arrive pas à voler dans ce niveau. Lui proposer de régler son problème de vol. Je peux faire fonctionner le vol pour toi, mais il faut que tu retournes à l'endroit où tu es tombé l'autre fois. D'accord, j'y vais tout de suite. Qu'est-ce qu'il est con celui-là. Tu es le joueur appelé Aigle. Alors regarde comment tu fais pour voler. C'est comme ça. Et c'est reparti pour un tour. Yahoo! J'adore. Ça marche toujours pas, hein, voler. Espèce d'enflure, je sais que c'est toi. Oui, c'est vrai que maintenant il sait que c'est nous. On va récupérer notre récompense du coup. Voilà. On va y remettre tributaire du coup. Je l'ai regardé, il me regardait, je baissais la tête pour les saluer. Lord décide qui a l'honneur d'entrer dans l'arme, mais dans sa grande mansuétude, il écoute tout le monde. Choisis une personne qui mérite cet honneur. Qui est proche de la clairvoyance? J'attendrai ta réponse dans les prochains cycles. Et si je me nomme moi-même? Quelle impertinence! Pouvoir prétendre à la clairvoyance nécessite beaucoup d'air, beaucoup de sacrifices pour le clan. Beaucoup d'argent. Laisse-le poser ses questions, elle mène à la sagesse. Mais sagesse est mère de modération, choisis bien tes mots. Demander l'opinion de l'ordre. Au bout du compte, la décision t'appartient, ô clairvoyant. Comment puis-je te convaincre? Il sourit d'un air ironique, en faisant preuve de patience. Il me regarda attentivement. Tu devrais être choisi par au moins un maître du clan. Et passer le dernier test de la période d'essai, bien sûr. Montre tes connaissances du clan On, de sa mission et de l'arbre du savoir. Prépare-toi au test. Si tu veux en faire plus, obtiens une nomination. Je suis très curieux de savoir si tu en es capable. Il hocha la tête pour me faire savoir que l'entretien était terminé. Donc il nous reste un indice à trouver dans la truc de Mbra. Espionner les recrues pour Mbra. Déjà on va essayer de trouver le dernier indice dans son truc. Donc c'était à nouveau dans le livre de la confiance je pense. Personne en particulier. Foreur de roche. Trouver une transcription avec le foreur de roche, parler de son mari, le cap. Oui mais ça on l'avait déjà vu. On va faire retour. L'autre c'était votre propre preuve. Trouver la transcription de la conversation alors la première date fidèle au clan. Se débarrasser des preuves. Parcourir les entrées sans but précis. Je consultais le livre, beaucoup d'actes mineurs de cruauté étaient mentionnés et étaient accompagnés de confessions. Le livre de la confiance n'évoquait rien au sujet d'Umbra ou encore de Cocon Éternel. Les maîtres n'avaient manifestement pas approuvé qu'ils étaient dignes de confiance, à moins que ces informations se trouvent ailleurs, ou aient été effacées effectivement. Sauf pour Foreur de Roche. Bizarrement, ces confessions étaient écrites dans le livre de la confiance. On a déjà lu celle de Foreur de Roche. Et on a trouvé tous les indices, ça y est. Donc si on pouvait retourner voir Foreur de Roche. Peut-être, non? Voilà, il fallait... Attends, c'était... Voilà, c'est là. Suspect. Il devait s'agir des personnes dont parlait Mbra. Parler. Ils se tuent alors que je m'approchais d'eux. Salutations, camarades. Je vais venir les laisser tranquilles. Est-ce qu'on peut faire autre chose? Comment je peux les espionner? Oh, je sais. Je sais comment les espionner. J'ai qu'une idée qu'elle est bonne. J'espère. Minou. Ah, je peux interagir avec Minou. Blaze. Attends, y a pas un truc où il fallait regarder dans l'eau? Non, c'était pas ça.
peut reparler à l'arbre. Voilà, plus. Elle a disparu, la personne qui était là. On peut ramasser encore des ressources à nouveau qui viennent d'apparaître. Ok. Attends, il n'y avait pas quelque chose là? Non, c'était juste là. Ces ressources, d'accord. Bon, du coup, je peux pas me transformer en chat pour aller. Pour aller espionner les recrues. Je suis tout tristesse. Est-ce qu'on peut en parler à mettre, ah bah mettre fort de roche. J'ai pas les informations le concernant dans les livres du clan. J'ai trouvé des informations sur toi dans le livre de la confiance. Rien sur les autres maîtres ou disciples, juste des 100 grades. Et toi? As-tu fait quelque chose de mal qui expliquerait pourquoi le clan On ne te fait pas confiance? En tout cas, ils me font plus confiance qu'à une recrue qui lit des livres qui sont normalement inaccessibles. Compatir. Tout ce que je voulais dire, c'est que si je vivais dans un clan qui possédait ce genre d'informations sur moi, ce serait difficile. En gage de ma bonne volonté, je peux supprimer ces entrées te concernant dans le livre de la confiance. Fais-le si ça t'est possible, mais je suspecte l'ordre d'en savoir bien plus sur moi que ce qui se trouve dans le livre de la confiance. Tu veux m'aider? Donne-moi plus d'informations sur l'ordre. Nous devons installer un micro pour espionner ces mystérieuses entrevues. Ok, d'accord. Pénètre dans les quartiers de l'ordre sans te faire voir. Si tu te fais attraper, je serai incapable de te défendre. Cet éventail pourra enregistrer la conversation. Le programme de triche est fait, mais indétectable. Place-le dans la chambre de l'ordre. L'ordre s'enferme souvent dans ses quartiers et ordonne que nul ne le dérange. Nous allons savoir ce qu'il mijote et puis tu récupéreras l'éventail, nous vérifions l'enregistrement. Ok. Je crois qu'on a essayé de rentrer dans la maison de l'ordre. On peut essayer. On n'est même pas sûr qu'on ait besoin de supprimer au final. On peut parler à l'ordre, non, vu qu'il est dehors. Alors on peut essayer de pénétrer dans la baraque en passant sur la droite, là. Non. Apparemment, faut vraiment rentrer par la porte d'entrée, mais genre devant tout le monde en plein milieu de la journée, quoi. Analyser la serrure. Examiner le verrou avec attention. Il se pose d'un mécanisme complexe, comme s'il était un message apparu brusquement devant moi. Il est souvent nécessaire de s'introduire dans les repères de bastions ennemis. Ce verrou requiert l'utilisation d'un crochet long et denté. Apprends à fabriquer des outils afin de réaliser le crochet requis, rends-toi à l'atelier et broie un cristal. Méthodes de fabrication des différents objets apparaîtront dans les indices et deviendront disponibles dans le livre de fabrication. Le livre se trouve près de l'atelier, bonne chance. Ok, donc. Clé complexe en taille. Meuler du cristal. Jusqu'à 2 à 4 cloches à la meuleuse. Donc, meuler du cristal, 2 à 4 cloches. Meuler du cristal, on en a suffisamment. Hop, non, là, du cristal. On est déjà au bon endroit, en plus on le remet à la meuleuse du coup. Et pendant 2 à 4 cloches, donc on en met du bois. Des cloches. Règle. Attends, s'il est encore là, c'est probablement qu'on peut le pousser à nouveau. Bon, j'ai encore 3 trucs, ça devrait aller, mais je voudrais juste aller voir le panneau d'affichage. Il nous reste 4 cloches. Elle est pas là, mon bras d'ailleurs. Programmeur, scanner l'annonce. J'allumais mon scanner, le texte provient d'une adresse appartenant à un certain Bob Zappa. La vengeance de la mort qui tue 3. Tu es Aigle? Ouais. Ok. Appeler. Composer le numéro de Zappa pour les appeler. Allô, allô, qui est là? Jay. Alors ça, c'est le game deck. Ronda! Ronda, viens voir, prends l'appel, tu ne deviendras jamais qui c'est. Non, pas les boulets de moisson à foison, j'aurais déjà dit d'aller se faire voir. C'est le game deck. Oui, celui-là. Bonjour, game deck, merci d'avoir sauvé notre couple. Nous nous sommes déjà tout dit et... Oui, tout, qu'est-ce que tu veux? C'est vous qui avez mis un contrat sur un joueur? Hein, quel contrat? Je ne ferai jamais. Bob et Barbani.
Non, mais ça, c'est juste parce qu'il joue trop. Il fallait régler le problème de son addiction virtuelle. C'est pour ça qu'on offre une récompense à chaque élimination de son personnage. Voilà, mais ce n'est pas pour ça que tu appelles, hein. Tu pourrais aller raisonner notre fils. Ah, c'est le gamin de Bob et Obsen. J'adore Obsen. Obsen. Je trouve ça... Je sais pas, je trouve ça... Bah, on va aller parler à Aigle, oui. Papa et maman sont pas très contents que tu joues trop. Aigre pleurniché en silence. Il est pourri ce jeu, je sais même pas pourquoi je continue. Il essuya rapidement ses larmes et afficha un air menaçant en m'apercevant. Télésentir les appâts. Je composais le numéro des appâts pour les appeler. Allô, Barnaby ? Il faut vraiment que je parle au vieux maintenant. Fais attention à ce que tu dis, Barnaby. Désolé, maman. Écoute un peu ta mère, assume tes bêtises. Quoi, tu me parles d'assumer alors que vous avez engagé un assassin pour me forcer à vous obéir ? Un assassin, tu sais. Bande de fascistes ! Non, je voulais juste... Tu crois que c'est comme ça qu'on parle à son père ? Excuse-toi immédiatement. Pardon. Et quitte cette saleté de jeu, je ne te lâcherai pas. J'ai engagé le meilleur game deck pour te ramener. Genre, elle nous a engagés, tu sais. Tu peux bien m'arrêter, mais j'ai un petit problème. Non, je veux bien m'arrêter. En fait, le truc, c'est que, ben, on a des niveaux d'initiation et je suis au niveau 3. Ah, digne de son père, niveau 3, c'est bien, non? Bob, écoute-moi et calme-toi. Pas particulièrement, c'est juste que pour y arriver, il faut... enfin, j'aurais donné mes identifiants et mes mots de passe. Oh, putain. Lesquels? Bah, tous. Tous. Ouais. Rhonda, appelle une ambulance, je vais faire un arrêt cardiaque. Mais je peux encore les récupérer, ils sont dans le livre de la confiance. Par contre, moi, je n'y ai pas accès. Oh, moi, je peux y aller. Game Deck, tu peux t'en occuper. Mais aucun problème, mes chers amis. Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est ça. Laisser le bug... Ah non, il... Oui, d'accord, il fallait remettre le bug. Mais attends, on va s'occuper déjà du truc. Ah, il ne nous reste plus qu'une cloche, par contre. On va pas faire une cloche maintenant. On va ramasser un coup de cristal, vite fait. Oui, rapport à l'ordre, blablabla. Tributaire. Goblin. Je les saluais d'un hochement de tête. Il ne reste que 2 cycles avant la fin du recrutement. Tu devrais maintenant peut-être faire une opinion sur la philosophie du clan. Le clan rassemble des informations à propos des signaux de l'arbre. Seul l'ordre peut les interpréter, mais tout le monde peut en penser ce qu'il veut. Médite, pense. À la fin du prochain cycle, nous te poserons des questions sur la voie de la clairvoyance. Tu devras arriver à des conclusions cohérentes concernant ceux qui sont entrés dans l'arbre. Ah, donc il faut qu'on fasse nos déductions, si je comprends bien. Déjà, on va trouver le livre. On va aller voir le livre de la confiance. Chercher une personne en particulier. Preuve de confiance d'aigle. Effacer la page. Ça nous a pris 2 cloches du coup au final. Non, on va pas tuer le joueur aigle. On va aller lui reparler et lui dire que tout va bien, c'est bon, il est, on peut se déconnecter. Il dit que vous avez effacé les données. J'ai effacé tes données. Merci, j'y vais, à plus. Cool. Je crois que ça nous a donné du coup du truc. Ok, bon, alors. Qu'est-ce qu'il nous reste pour faire nos déductions ? Pour débloquer plus de trucs. Voyons voir. Ça m'a pas donné des points. Oh, mais si. J'ai gagné un max de points d'empathie, dis donc. Non, on va essayer de rentrer dans la maison de l'ordre vu qu'on a fait sa clé au dernier épisode. Enfin, au dernier épisode, la dernière cloche. Utiliser un crochet. Ok, alors. Liste des membres du clan, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps quand même. On a les bibelots ici, c'est là. Placer l'éventail grâce au programme de triche. Ok. Putain, il est sympa le truc là. On a des lettres là-haut. On a une commode ici. Attends, je vais pas dépenser une clé, une truc pour ça pour l'instant. Je pense qu'il faut que je laisse un truc de cloche complet. Ah ouais, il y a 9 indices quand même ici. J'avais en main un livre qui contenait la liste des membres du clan. Il a été protégé par un petit cadenas bien ouvragé.
Analyser la serrure. J'examine le mécanisme de la serrure de plus près. Pour ouvrir, j'avais besoin d'un tout petit crochet. Je pourrais fabriquer en taille un cristal avec une fraiseuse. D'accord. Donc une fraiseuse pour ouvrir ça. Les feuilles avec des notes se trouvaient sur le bureau. Je regardais le miroir et vis que certaines s'y reflétaient alors que d'autres non. Après un petit moment de réflexion, je réalisais que je ne pouvais voir que celles qui lui étaient adressées. Lire les notes adressées à l'ordre. Les ordres et les demandes y figuraient. La dernière, l'ordre devait surveiller les recrues. L'une d'elles pouvait être digne de rentrer dans l'arbre. L'ordre avait annoté le texte dans les marges. Comment identifier la bonne recrue? En discutant régulièrement avec elle. Oui, il discute régulièrement avec tout le monde. Les notes n'étaient pas signées, donc je ne pouvais pas savoir qui avait dit à l'ordre de m'observer. Je suppose qu'il était question de moi. Non, peut-être pas. Putain, il y a un paquet de trucs à faire. Allons voir ce qu'il y a dans la commode. Un registre méticuleux de tous les signaux de l'arbre. Analyser le verrou. Petit crochet. Ouais, c'est le même avec la fraiseuse. Ok. Lire les signaux recueillis. Consulter les notes rassemblées par les membres du clan sur les signaux de l'arbre de savoir et varier considérablement. Des ressentis intenses comme une soif de connaissance, une certitude que le monde a ses secrets, que l'univers matériel est une illusion. D'autres visions étaient plus concrètes, comme celle d'une prophétesse qui quittait la vie de routine en quête de vérité, toute débordée d'émotions. Les oiseaux symbolisaient la liberté et le bonheur. Lord l'avait pris au mot puisqu'il s'était procuré un corbeau selon les notes. Dans l'ensemble, les signaux renvoyaient le message que la vie avait bien intérêt, mais pas ici. Ok, donc il nous reste 4 trucs. Ah merde, il est... Bah ils sont là. Genre ils ont pas réagi au fait qu'on soit à l'intérieur. Putain, celle-là je l'ai jamais débloquée. Chirurgien sensoriel. Ah, s'il nous manque de la détermination pour faire ça. Je vois comment faire la détermination. Oh attends. Il y a un escargot là. Si Vachevalier regorgé de vie, c'est l'endroit parfait pour méditer à temps de la clairvoyance. Les yeux se posèrent sur un escargot, c'est mouvement l'arme de concierge, mais ça y est dans un état étrange. Cette fois, je vis 3-14, l'entité non parlée Ken. 3-14 avait consacré sa vie à résoudre des énigmes comme moi et Ken avant qu'il ne meure. C'était peut-être pour cette raison que j'avais l'impression d'être si proche de 3-14. C'est ça, 3-14, d'accord. Il a dû résoudre une affaire avec peu d'indices pour sauver un joueur. Il a dû supposer contre toute attente et se foutre. Un peu par hasard, 3-14 commençait à s'ouvrir aux faits inexpliqués. Ok. Bon, avant qu'on termine les dernières cloches, je pense qu'on va faire un petit break ici parce que c'est l'heure, mais je voulais juste voir... Ouais, est-ce qu'on pourrait peut-être lancer la construction du petit crochet? On verra. Bon. Ok. Très bien. Donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain du coup, pour la suite de l'aventure. Du coup, bah, à demain. Salut à tous.